route, transport, réseau électrique ou encore canalisation. Depuis 2010, le secteur des travaux publics est en pleine crise. Rien qu'en 2014, une baisse de 5% du chiffre d'affaires a été enregistrée en Midi-Pyrénées. L'occasion pour Carole Delga et Dominique Régnier, candidats aux élections régionales, de s'affronter autour de cette question lors d'une première confrontation. Il nous faut passer, je veux dire, du stade de la parole à l'action et être clairement sur cette mobilisation-là. Je vous propose d'en rester là. La campagne a bien commencé. Oui. Deux heures de débat durant lesquelles les candidats ont tour à tour exposé leur vision de la grande région et leurs propositions pour relancer le secteur, chacun mettant en avant ses atouts. Moi, ce que je mets en avant, c'est que je suis de cette région, j'y vis, je vis cette région. J'ai été vice-présidente de région, j'ai été maire d'un petit village. J'ai eu également une expérience ministérielle qui me permet d'avoir avec tout ce réseau parisien et ce réseau dans les cabinets ministériels, mais j'ai choisi notre région. J'ai fait référence un peu pendant la discussion. Moi, je me consacrerai uniquement à cette tâche. Elle est exaltante, elle est très exigeante. Et ce que l'on dit de moi sur le fait que je n'ai jamais exercé de mandat, il y a deux catégories de discours. C'est très intéressant. Vous avez, je veux dire, le peuple qui, lui, me dit c'est formidable. Et puis vous avez les élites et les élus qui me disent oui, c'est une lacune. Moi, je dis on verra. Autour de la table ronde, les échanges sont restés courtois mais tendus, notamment sur la question du financement de la LGV Bordeaux-Toulouse et Toulouse-Montpellier, un enjeu majeur de cette élection qui sera sans nul doute au cœur des prochains débats. Un cadre de vie qui séduit. Toulouse est en tête des villes où il fait bon investir dans l'immobilier. Comptant 100 000 étudiants, des emplois en progression et ses périphéries attractives, le marché immobilier est en plein essor. On a cette chance aujourd'hui, quand on est professionnel de l'immobilier, d'avoir un marché où il y a un volume de vente qui est très intéressant. On a en plus la possibilité d'avoir accès à une catégorie d'acquéreurs que sont les investisseurs aujourd'hui, par le biais d'industries et d'entreprises comme Airbus notamment, qui drainent une forte demande. On est une ville qui est étudiante également, donc avec une forte demande de logements à la fois à location mais également à l'achat pour justement réaliser de l'investissement locatif. Donc on a un marché qui est plutôt très dynamique et très porteur. Ça se ressent sur les volumes de vente. Des prix qui peuvent varier d'un quartier à l'autre. L'hypercentre reste sur le podium avec 4000 euros le mètre carré, alors que la périphérie proche a une meilleure rentabilité avec 2800 euros le mètre carré. Les loyers, quant à eux, restent stables. Comparé aux autres villes, bon, Paris c'est l'extrême, mais même comparé à Bordeaux ou Montpellier, Toulouse je trouve que c'est abordable et en plus on a quand même pas mal d'aides. Un succès qui fait de la ville rose la plus attractive de France, avec une augmentation de 10 000 habitants chaque année. C'est à l'accueil de la mairie de Toulouse que l'association Jobs sur son 31 a installé son vestiaire solidaire. Corinne Adam-Copé, présidente de l'organisation, explique le concept de cette initiative. Nous récupérons des vêtements que nous redonnons aux demandeurs d'emploi. Sur conseil, c'est pas du tout une friperie, c'est pas du tout un magasin, on travaille que sur rendez-vous, les personnes viennent et on adapte le vêtement par rapport à la profession recherchée. On commence par travailler la confiance en soi, on a besoin de vêtements, ensuite on travaille l'entretien professionnel, la gestuelle, tout ce qui est vraiment la communication non verbale. Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, a tenu à être présent pour l'occasion. Il a lui-même soutenu cette démarche en offrant 5 de ses anciens costumes. C'est une initiative solidaire, c'est une initiative concrète qui permet à des Toulousains de faire un geste simple, concret, c'est-à-dire d'aller chercher dans leur garde-robe un vêtement qu'ils ne portent plus ou plus beaucoup et de rendre ce vêtement utile, de ne pas le jeter, de ne pas le gaspiller, de le rendre utile pour des personnes qui en ont besoin. Pendant une semaine, les agents municipaux et métropolitains sont conviés, tout comme les Toulousains, à déposer leurs costumes. Sur ce marché annuel, place du Capitole, pas question d'intermédiaire. Seule la vente directe du producteur au consommateur est privilégiée. Une opération menée par la Coordination Rurale, un syndicat apolitique soucieux de revaloriser le travail agricole. Une occasion pour Maxime Lahaine de faire découvrir ses produits régionaux. C'est pour faire reconnaître un peu la production agricole de plein champ dans la région. Nous, on sait où c'est fabriqué en plein champ, c'est planté à la main, c'est artisanal, et on sait d'où ça vient. Sur un autre stand, une productrice étale des légumes d'un autre temps, introuvables en grande surface. Moi, je viens surtout pour expliquer les variétés anciennes, qui sont donc interdites à la vente en Europe, puisqu'il y a un cahier qui donne la liste des variétés que l'on a le droit de cultiver et de commercialiser en Europe. Et si le légume n'est pas inscrit dessus, il est interdit.
La clientèle est également rendez-vous, ravie de découvrir des produits de qualité, défiant toute concurrence. On trouve des produits de producteurs à des prix beaucoup plus intéressants qu'au supermarché même. Je pense qu'il va falloir de plus en plus se tourner vers ce genre de produits. Pour l'organisation, c'est un moyen original de changer les mentalités et de redonner aux consommateurs le goût des produits locaux. My name is Marie-Claude. Alors, name. Ça s'écrit N-A-M, ça se prononce name. My name is Marie-Claude. Name. Ok. My name is Christian. Il n'y a pas d'âge pour apprendre l'anglais. Comme tous les mardis, à Saint-Aurens, c'est cours d'anglais pour le club des aînés. Une séance d'une heure, très utile, pour rattraper le temps perdu. Je pense que maintenant, sur Internet par exemple, ou dans les notices de smartphone, où il y a beaucoup de mots maintenant qui sont en anglais. Pour Michel, alias Michael, ce matin, les souvenirs de jeunesse reviennent. J'ai retrouvé des expressions que je retrouvais, quoi. As soon as possible, aussitôt que possible. Les verbes, la conjugaison que j'ai un peu oubliée, tout ça. Mais... Premier cours, seulement 3-4 personnes. Et aujourd'hui, une quinzaine. Un apprentissage difficile qui se fait petit à petit, dans la joie et la bonne humeur. Il y a une entraide pas mal entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Moi, comment dirais-je, ce qui m'a beaucoup amusé au début, c'est que les personnes avec qui j'étais là voulaient apprendre l'anglais, mais sans apprendre la grammaire. Midi, c'est la fin de la leçon. Et l'heure est au goodbye. Goodbye! C'est une première au stade Michel Bondichou. Le terrain de rugby de l'US Colomiers accueille ses voisins du stade toulousain pour un entraînement commun. Frédéric Boitier, directeur général du club Columérin, explique l'origine de ce rapprochement. Il y a 3 semaines, on avait un problème technique parce qu'on avait notre joug qui était en panne, on va dire, en réparation. Et on a demandé au stade toulousain si on pouvait utiliser leurs installations. Donc ils ont accepté volontiers. Donc on est allé faire l'entraînement des avants sur leur joug, qui s'est très bien passé. Depuis cet incident, les deux clubs ont décidé de profiter des semaines de Coupe du Monde pour renouveler l'expérience, ce qui n'est pas pour déplaire à David Scrella, ancien buteur du Stade Toulousain, désormais joueur de l'US Colomiers. Je crois que c'est la première fois qu'on fait ça. Ouais, ça permet de, voilà, que les deux clubs se côtoient aussi, puisqu'on est, voisins. Voilà, ça permet aussi d'avoir des échanges sur le rugby qu'on pratique, sur en fonction du rugby. Ouais, donc je crois que c'est plutôt positif pour les deux clubs. C'était intéressant pour nous de travailler en opposition, mais avec une opposition raisonnée et raisonnable. Donc tout le monde a pu travailler dans de bonnes conditions. Et c'est bien aussi pour l'ouverture que les clubs de Toulouse et de Colomiers se sont un petit peu rapprochés. Ces 2 heures d'entraînement n'auront pas entamé la bonne humeur et l'enthousiasme des joueurs. Ces derniers se sont ensuite retrouvés autour d'un bon repas. Leurs chemins se recroiseront peut-être dans quelques années au stade Michel Bindichou pour un match de top 14.